le barreau du Niger, sans s'attarder outre mesure sur les motivations avancées, constate néanmoins la non-remise en cause des conventions internationales et des accords régulièrement souscrits par l'État du Niger. Le barreau du Niger s'insurge d'avance contre toute intervention militaire extérieure, peu importe d'où qu'elle provienne, et quel qu'en soit le but et le fondement, dès lors qu'une telle intervention ne fera qu'exacerber la situation sécuritaire et la paix intérieure et provoquer des pertes en vies humaines. De même, le barreau s'insurge contre les sanctions économiques qui vont toucher directement la population nigérienne et ne feront qu'aggraver sa souffrance alors qu'il est connu de tous, qu'ailleurs, elles n'ont produit aucun résultat si ce n'est celui d'exacerber la situation déjà suffisamment et durablement éprouvée par le terrorisme et l'insécurité. Le barreau étudie la possibilité d'engager le recours devant les juridictions internationales compétentes, notamment en procédure d'urgence contre les dites sanctions. En ce jour de la proclamation de l'indépendance du Niger, le barreau demande au peuple nigérien de rester uni, solidaire et faire preuve de retenue dans leurs actes en vue de préserver l'ordre public, la paix et la sécurité dans notre cher pays.